Bélier qui est en train d'enclencher, Carrivé qui commence à faire son effort maintenant et qui prend l'avantage avec Camille Lévesque. Et voilà la chance de l'extérieur, l'autre ligne droite de Carrivé qui est en train de faire allez, Damien, la course aujourd'hui. Elle est en train de prendre l'avantage pour le Péhari des Montiers. Allez Damien, allez. Là, Camille, regarde-nous. Camille, bravo. On t'avait, la dernière fois qu'on t'avait interviewé, c'était après le prix de Cornillier. On n'avait pas le même visage en face de nous. C'est vrai, mais c'est pas la dernière fois que tu m'as interviewé, c'était après l'île de France. C'est pas grave. C'est vrai qu'elle a attendu cette victoire. On tournait un petit peu autour du pot. On a été deuxième de Roxane Griff, il n'y a vraiment rien à dire. Donc on l'attendait. Le parcours aujourd'hui, après le faux départ, est-ce que tu as douté? C'est sûr que quand on fait un faux départ, en plus avec elle, ça n'arrive jamais. Elle démarre déjà pas très bien, donc quand il faut partir derrière les autres, c'est encore un inconvénient. Mais ça s'est très bien passé. Je suis partie derrière la rapide du Dijon qui a très bien démarré. Donc finalement, ça se trouve, on a même mieux démarré que si elle était partie en première ligne. Et après, un parcours en or, tout de suite dans le sillage des premiers. C'est vrai qu'elle a eu un très bon parcours. Dans le dernier tournant, on nous fait un petit peu sortir. J'ai eu un 3, mais bon, elle a pas pris dur. Quand on est au-dessus de la mêlée comme ça, à l'entrée de la ligne droite, on pense à quoi? On est toujours concentré sur sa course ou on pense déjà à ce qui va se passer après? On est toujours un peu concentré parce que la dernière fois, j'avais abordé la ligne droite en tête comme ça et puis je m'étais fait prendre un nez sur le poteau. Donc on fait quand même attention, mais à 50 mètres, on voit bien qu'on a quand même pas mal de longueur d'avance. C'est une joie particulière, c'est l'une des dernières courses de Caribet. Est-ce que pour toi, c'est limite une page qui va se tourner aussi? Ah bah oui, complètement. C'est une belle histoire. On a vécu vraiment de très belles émotions. Là, c'est une victoire qui est un petit peu... Voilà, il y a de l'émotion. C'est pas une grande, grande joie parce qu'on sait que c'est la fin. Donc il y a un petit truc qui nous rend un petit peu triste, en fait. Merci, Camille.